nouveau gouvernement américain, il a décidé là, il a pris le bail 30 000 Vénézuéliens qui a vivent dans le pays à illégal, TPS. C'est ça que il a décidé de faire dans le moment où nous a parlé. Nous portons pilote de pour. Donc, sous administration, qui ça, Joe Biden lui-même, il commence à faire. Nous portons tout update ça pour vous. Nous pourrons développer en pile de détails sur ce dossier chèque vous avez pour vous bailler. Nous portons en pile d'informations pour vous. Nous avons invité vous, restez sur la vidéo, nous allons expliquer. Bonjour, bonsoir Internet. Comment nous est? Merci ou même qui toujours été connecté ensemble avec nous. Qui toujours quitté un like en bas vidéo. Nous disons merci. Nous avons invité tout même qui souffre tomber sur channel. Pas négliger cliquer le sur le bouton qui marque s'abonner. Activer la cloche de notification. D'une manière pour capable toujours être connecté ensemble avec nous. Chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous avez possibilité pour recevoir une notification. Jean que nous te dit dans le commencement de la vidéo, le président américain Joe Biden, monsieur dans le moment où nous avons parlé, il a décidé de libérer le bail 30 000 immigrants vénézuéliens TPS. TPS, ça, il décide de bailler, c'est un TPS qui est valable pour 18 mois. Dans 18 mois, ça, il y a une possibilité. Moun sa yo yo pral gen possibilité pour yo travail légal en pile l'autre activité yo pral gen possibilité pour yo faire dans pays a sans problème nous capable dire chers amis c'est une bonne idée ça veut dire que yo décide bay immigrant sa yo papier c'est dans un contexte yo fait connait pays Venezuela lui-même côté l'été déjà embargo sous président Donald Trump Jean pile moun connait déjà pays Venezuela donc qui t'a subi un mauvais moment sous président Donald Trump côté pays ça lui même c'était un pays qui était vraiment avancé et puis c'est un pays tout qui riche et en matière ça nous capable les gaz qui en pile gaz en pile mine gaz dans pays Venezuela et bien malgré ça ça pas empêché pays ça lui même était venu tomber en bas yo embargo et bien côté moun sa yo en pile là dans k'ap mouri dans la fin ou pas gagne rien pour te manger et bien c'est dans sens ça président américain lui même il penché sur ça il fait connait moun sa yo pral ba yo TPS provisoirement moun sa yo pral gagne possibilité pour vivre dans pays là légalement nous même dans moment nous t'apprécié penser tout. Est-ce que monsieur lui-même n'est pas penché sur cas Haïti? Donc t'assembler pour haïtien yo projet ça li toujours en cours mais li poko dit rien. Donc c'est seulement sous parti moun vénézuélien yo donc c'est sous parti ça li penché dans moment côté nous a parlé et processus ça son processus qui vient à commencer donc très prochainement la moun ça y a gagné ça qui est les TPS nan main yo. Président américain dans jour là dans semaine ça même monsieur li gagne pour le faire en live directement nous penser ça gain possibilité pour lui faire demain à soir même monsieur pour commencer présenter tout ça li commencer fait dans pays là. C'est ça que monsieur lui même lui publier sur compte de lui c'est ça que lui dit lui pour mettre pour lui commencer dit mais tout ça que lui commencer réaliser et nous capable dire chers amis président lui-même lui commencer fait un pile travail malgré parti républicain te traduit monsieur la justice nous a détaillé tout update ça baou parce que monsieur était décidé pour lui camper déportation et bien gagner yon juge donc yon te traduit monsieur la justice nan moment kote nou a parlé a bon malgré nous pou ko kapab di ou mais ça qui te sorti mais nous a invité ou faut ko rete connecté ensemble avec nous nous même n'a porté tout détail ça yo pour chers amis
sous dossier moun qui gagne qui pral gagner résidence nous connaît sous président Donald Trump gagne en pile bagay en pile accent monsieur te mette Léon moun te inégal au pral gagne résidence dans pays États-Unis. Eh bien, président lui-même gagne une série de lois Donald Trump lui-même li te mette, monsieur lui-même li déjà commencé changer malgré ça. Nous gagnons loi monsieur lui-même Donald Trump te mette, eh bien lui-même li fait connait que ça lui-même li gagne ta changer li une loi qui te dit que à la minute que yon moun te inégal, ça veut dire que gagne pile aide dans pays les États-Unis. Normalement depuis on moun te participer dans yon aide qui relé food stamp. Food stamp là c'est un l'argent depuis on vivre dans pays a ou pas travailler yo ba ou pour capable payer caille pour capable manger pour capable boire. Eh bien li fait connait président Donald Trump li fait connait depuis on moun participer dans projet aide ça yo ou pas gen chance pour appliquer pour résidence. Ça veut dire que depuis ou gen ou te gen aide quel que soit ou te gen ou te vinn couper à la minute que tu participer là-dedans seulement depuis y a sous système nan yo non et bien quel que soit tu qualifié pour joindre résidence ou pas gen possibilité pour joindre résidence ça. Et bien nouveau gouvernement il te dit que à la minute qu'il monte il te dit dossier ça lui-même li pral retirer li bien nous capable de nan moment côté nous a parler a si ou même ou a vivre aux États-Unis ou te gagne a faire food stamp ou te gagne publique charge ou et bien pas gagne aucun problème pour appliquer pour résidence nan moment côté nous a parler a là donc bagay ça li même li déjà changé nouveau gouvernement li retire bagay sa pa gen aucun pérès encore donc gen en pile moun nou konnen ki ta viv nan mauvais condition donc ki pa gen possibilité en pile ti malheureuse yo te senti yo en difficulté parce que yo pa capable rentrer nan dossier ça parce que président li même li pa vle. Et bien nan moment nou capable dire si ou même ou te pè et bien met rentrer dans dossier food stamp pour ça aucun problème ou pas gagne aucun problème ça pas faire aucun effet sur résidence nous capable dire chers amis ou pas gagne aucun problème chers amis et j'en nous connaît déjà bon gagne dossier 11 millions d'immigrants ont décidé bail papier projet ça il est toujours en cours. Il toujours nous capable dire dans chambre là donc pourquoi gagne aucun et réponse qui tombe sur lui malgré nous le président lui-même n'est pas tellement parlé sur ça pour moment mais nous capable dire c'est un projet qui toujours en cours ensemble avec un pilote nouveau bagaille président lui-même déjà mettez en perspective nous capable dire finalement chers amis président lui-même il décide de travailler d'une manière pour pays aller même avancer ensemble avec tout immigrant donc qui a vivre dans pays là nous capable dire c'est une bonne idée une bonne initiative dans façon président lui-même il décider pour lui passer et dans moment sous affaire frontière qui ouvre dans moment tout donc il y a un pile parti républicain qui a révolté donc mandé monde ça pour qui raison est obligé à quitter ou rentrer dans pays là comme ça. Bon, finalement, nous pensons dans une nouvelle vidéo, nous avons plus de possibilités pour vous porter la vidéo, pour nous avons plus de possibilités pour nous avoir toute information de ça qui a rapport ensemble avec Frontier, chers amis. Parce que nous connaissons, nous avons plus de femmes, mes amis, qui ont souffert de Frontier, qui soif information ça. Mais dans jour, nous promettons, dans le jour qui vient, nous avons porté pile information pour nous expliquer comment ça fait frontière et comment moun ka rentrer yo qui ça gouvernement lui-même li fait connait sous dossier moun qui a rentrer nous va porter en pile vidéo pour sur ça c'est ça qui fait l'important pour toujours être connecté ensemble avec nous pour pas rater aucun vidéo sur channel là. Yon l'autre fois nous dit merci ou même qui prêtez nous attention qui t'a suivi vidéo.
Nous pensons que vous arrivez là, c'est parce que vous avez suivi nous, c'est parce que la vidéo a été intéressée. Une autre fois, nous disons un grand merci. Ça nous aide pour nous dire. Nous croisons plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.